Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour l'épisode 5, je crois. Je parierai pas dessus. De la campagne de Chris sur Resident Evil 6. Donc on va avancer. Hein. Bon, au niveau du temps, il s'est passé un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Ok, alors là. Oh, j'ai placé un contre. Oh, je sais pas comment on fait, mais j'ai placé un contre. Bref. C'est Pierce. Donc voilà, il se passe un petit quart d'heure, donc il y aura une répercussion à la fin du chapitre. Malheureusement. Oh les mecs! J'ai plus de munitions. Non mais parce que j'ai quand même plus de munitions de lance-grenade que d'autres choses, donc on va dire qu'à bout portant, ils sont mignons avec leur lance-grenade, mais à bout portant, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. D'accord. Mais ah ouais, mon inventaire est vide en fait. J'ai pas d'inventaire quoi. Open the fucking door. Moi, je sens qu'on va un moment être en face de Léon et Elena. Ah, Elena. Non? Non? J'ai désactivé le mode coop. Ouh putain, j'ai peur. Heureusement, je suis en train d'envoyer une vidéo en fait. C'est pour ça qu'il veut pas. Il m'a quitté le truc. Il m'a quitté le truc. N'importe quoi. C'était déjà le bordel sur Call of Duty 5, alors. h 43. 14h43. J'ai un petit peu peur sur de quoi je vais tomber. Réseau, comme ça, on se pose même pas la question. Non, ça m'a pas déconnecté du PSN. J'ai l'impression que je vais devoir me refaire la scène des bateaux. Avec l'hélico et tout. Enfin, j'en suis sûr, hein, de toute façon, à 14h43, c'est pas quand est-ce que j'ai arrêté de tourner, hein. Obligé. Je suis deg. Tout ça à cause d'une putain de connexion. Alors ça, franchement, j'ai mis désactivé, ça me gonfle. Putain, je suis obligé de refaire tout ça, quoi. Non, mais sans déconner. Bon, je le fais quand même dans la vidéo parce que je vais pas couper pour ça, mais. Ah, je suis deg. Donc la cinématique. C'est quoi cette blague?
Bon, on peut avancer. Merde, j'ai pas tué celui que j'aurais dû tuer. Oh, il m'a touché. Il est où? Ah oui, c'est lui. Il est mort. What the... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Gravalanche. Donc on va se faire l'hélicoptère. Ça va, hein. Comme je connais la zone, je prends pas trop de risques. Capitaine, reprenez-vous. Cet hélico va bientôt nous tirer dessus. Ah oui, à chaque fois je me fais avoir parce qu'il faut sauter en fait. Il était mignon lui avec ses mouvements là, avec ses gesticulations. Vous arrêtez pas. Ouais, c'est clair. Attention, c'est dangereux ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ne tire pas l'hélico. Je suis ton ami. Ton ami, c'est moi. Je suis ton ami. J'ai pas les paroles en fait. Surtout parce que dedans il y a plein de grenades. Là il va appeler le QG. Alpha, QG, on a un visuel sur Adamo. On la poursuit. Ici le QG. On a vu Adamo en train de descendre le canal. Équipe Charlie et Delta, formez un périmètre autour de vous, check. Bon, on peut garder ces hélicos d'ici. Alors on va recharger ça. Bâtard. Il faut que j'aille me droguer. La drogue, c'est mal, les enfants. Hein, il ne faut en faire que dans les jeux vidéo, jamais dans la réalité. Ça vous causera que des problèmes. Et quelle que soit la drogue, hein, on a beau dire, il y a des drogues plus ou moins douces, que ce soit fumer, boire, ou même le H, enfin, que ce soit de la beuh ou de la cigarette, c'est mal. Hein.
toutes les drogues qui existent, c'est mal. Et l'alcool est certainement une des pires. Malgré ce qu'on aimerait vous faire croire. On y va. Moi, j'ai un esprit pas très sain. Non, si j'ai un esprit sain, mais dans un corps pas très sain, mais pas à cause de l'alcool ou quoi que ce soit, juste parce que je suis gros. Enfin, je suis gros. Non, je suis pas gros. Je me porte bien, on va dire. Je suis pas non plus obèse, quoi, c'est ça que je veux dire. Là, j'ai quand même beaucoup mieux fait mon compte, en fait, finalement. Mignonne ta roulade. Tu m'expliqueras comment tu fais. Hein. Et écrase la tête. Alors. Je crois que j'ai tout rechargé à fond. Non, ce coup-ci, il n'y a pas un gars qui est venu me faire chier avec sa connexion à 2 balles. Je crois. Ça, c'est pas possible, de toute façon, je me suis mis en hors ligne. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé avant. Voilà, c'est cela, j'ai fui contre eux. Parce que sinon, c'était la merde. Ça, franchement, c'est une vraie saloperie. Hein. Souvenez-vous-en, c'est avec Léon. Chapitre 4 ou 5, je pourrais plus dire. Peut-être le 5. Non, le 4. Je sais plus. Est-ce que c'est là qu'ils auraient mis au point le virus C? Ah oui. Attendez, je sais plus en fait si avec Léon, cette séquence-là est avant ou après qu'il l'ait capturé. Ah ouais, d'accord. En fait, on est en parallèle avec eux. On est en parallèle avec eux, c'est génial. Je suis très heureuse de vous voir, la nouvelle déco. Je vous souhaite un excellent séjour. J'aime bien, ça passe pas 2 fois. Hein. Ce matin, je me suis fait avoir, mais pas cette fois. J'ai pris le jus, je crois. C'est quoi ce délire? Non, ça j'ai déjà expliqué déjà que j'aimais. Je détestais ça, c'est pas que j'aime pas. C'est que je déteste quand on vit 2 fois la même chose mais que ça se passe différemment. J'ai horreur de ça dans les jeux vidéo entre Killzone 3 et ce jeu. C'est horrible. Alors des fois c'est différent dans le sens où ça saute des étapes. Notamment, je crois que c'est dans un Uncharted où il y a ça. Une fois, tu vois ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Non, c'est dans quel jeu, ça? Ou en fait... Ah. Oui, c'est ça, c'est dans Uncharted. Dans le 2... Ouais, c'est dans Uncharted 2, c'est dans... Au tout début, la séquence du train. Et ben, la première fois, on l'a fait en entier. La deuxième fois, on l'a fait en plus court. Mais il n'y a pas de truc qui se passe pas comme avant. C'est juste qu'il y a des ellipses. Là, par contre, j'aime pas. Ah non, mais en plus, on est du même côté que... Enfin, on est du même côté que Léon et Elena dans le premier. C'est quoi le délire? Ça manque de sens.
recherche en cours. Test des prototypes. Ada! C'est violent ça. Tiens, ça se passe pas comme ça avec Par contre oui. En fait, Elena, elle se sert de l'ordi, alors que lui, il le fait électrifier. Enfin. Elle modifie le programme et lui il modifie le réseau électrique. Ça, en fait, ça sert à rien ces trucs. Si ça explosait dès que tu serais dans leur champ d'action, ça serait plutôt plus intéressant. Parce que, alors là, pour les éviter. Ah oui! Là, t'as la version ultra violente où ça pète de partout. Ouais, je vais le faire. Bon là au moins c'est cohérent, ils ont pas inversé les rôles quoi. Donc c'est chapitre 3, leur rencontre. Tellement classe leur combat. Chris. Léon. Qu'est-ce que tu fais là? J'aime bien, c'est la deuxième fois que je pense. Protéger cette femme. Oui.
C'est quand même exactement la même que celle de Léon. Hein. C'est en fait que je voulais savoir, c'est s'il y allait avoir une différence ou pas. Bonne vieille PKP. Non, une PKM, pardon. PKM, c'est tout le temps la... Comment ? Dès qu'il y a des rebelles ou une milice dans les jeux vidéo, à part Call of Duty d'ailleurs, ils ont tout le temps une PKM. Far Cry 2, c'était la mitrailleuse de base. Là, dans les Resident Evil, les mitrailleuses... Dans Resident Evil 5, c'était des PKM. Enfin, il y a d'autres... Dans les Battlefield aussi, c'est des PKM. Mais comme en fait, la PKP, c'est la version supérieure de la PKM... T'en vois qu'ils sont pas forts à... Ils sont pas forts avec ça, les... Ils sont pas forts avec ce genre de truc, hein, les Japonais. De toute façon, on verra jamais un GTA like japonais, je pense, hein, sincèrement. Quoique si, il y a Shenmue, je crois, mais c'est différent. C'est pas vraiment un GTA like en plus, Shenmue, je suis con. Je suis même pas sûr que ce soit japonais en fait. Oh, comment tu fais pour aller aussi vite? Ah mais c'est des ennemis ça? Le gars il a un... Ah, il a un boost quoi. Je crois pas que j'ai décidé de se rendre sans vouloir vous vexer. Putain, ce boost là, c'est impossible quoi. Par contre, toi, on est bien en Chine, hein? Mais d'ailleurs, je croyais qu'il y avait que à Hong Kong en Chine où on roulait à gauche. Quoi, il doit bien avoir d'autres villes, hein, mais... Parce qu'Hong Kong, c'était une ancienne colonie... Ah mais, anglaise, c'est pour ça qu'on roule à gauche. Donc, je crois que des pays où on roule à gauche qui sont pas d'anciennes colonies anglaises, il n'y a que le Japon, hein. Donc, c'est pas tout, mais elle est vachement chiante cette séquence parce que c'est même pas comme s'il y avait des trucs sur quoi tirer quoi, c'est juste
Regardez, j'ai quasiment pas perdu un poil de vie depuis le début, et je sais même pas ce que je dois faire. Oh, ça c'était joli ça. Oh, je sens qu'on va se taper un tram dans la gueule. Genre, je vois bien un tram avec Simmons dessus. Attends, je regarde s'il n'y a pas le combat de Léon. Ça, c'est obligé qu'ils aient fait un petit... Ah non, autant pour moi. Ça aurait été génial. Franchement, ça aurait été génial qu'on aurait vu Simmons et Léon se battre. Ça aurait été vraiment génial, génial, génial. Ah, toi aussi, tu sens que ça sent le piège. Oh, j'hallucine, ça... Ah bah, vachement efficace, la lumière dynamique, hein. Alors ça... Ah, ça fait un peu de lumière à l'impact des balles, ce qui n'est pas logique. J'appelle ça un piège, moi. Oui, en fait, la précision est dégueulasse. C'est pour ça que je faisais des allers-retours, parce que j'avais pas trouvé le bon point. Sinon, tu pourrais couper tes phares aussi. Bon, tu verrais rien, mais au moins, ils te feraient pas arriver, les mecs. Ah bah, encore du train. Yeah, je vais conduire. Pourquoi il est allé aussi vite, cet abruti? D'accord, c'est ça le boost. Pas que je le fasse trop souvent, parce que sinon je perds... Faire de l'essence à chaque fois. Ah non, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est même pas qu'il faut pas que je le fasse trop souvent. C'est que si je le fais pas, dès que je peux le faire, c'est game over. J'ai eu l'occasion de le faire qu'une demi-seconde. Hein. Ah, j'avais pas vu, je pouvais accélérer avec R1. C'est pour ça. En fait, c'est pas du tout l'essence, c'est genre la température du moteur, je sais pas. Ah non, c'est le compteur. Je suis con. On va utiliser un boost dans un virage comme ça. Comme je la gère, ma comment la montée là, je l'avais bien géré. Merde.
ça. Hein? Comment je peux aller plus vite? Je suis à fond sur l'accélérateur depuis le début. J'ai jamais freiné, j'ai quasiment eu aucun obstacle. Je veux dire, faut pas déconner quoi. Pourtant j'ai l'impression de faire aucune différence entre tout à l'heure et maintenant. Parce que tout à l'heure elle était à 300 mètres et là elle est à 60 mètres. Bon elle est à 100 mètres mais à chaque fois que je fais un petit boost, à mon avis je me suis fait avoir, c'est parce que j'ai pas osé faire le boost dans le... dans l'hélice. Enfin dans la route qui montait quoi. Ici. Je vais quand même le booster ce coup-ci. Ouais, je pensais bien que ça allait être une erreur. Là, je le sentais que ça allait être une erreur. Va sauter genre oh, oh, oh là mon vieux Chris quoi, tu fais des trucs impossibles mon vieux Chris. On est toujours au chapitre 3 en fait. Alors là ça c'était synchro. C'est impressionnant, le temps de complet. Et mais franchement, le temps pour finir un truc, c'est... Ah bah non, bah comme non, oui, là, il n'y a pas eu de temps rajouté puisque la partie, elle s'est rechargée toute seule. Autant pour moi. C'est combien que je veux, moi? C'est 80 et quelques mille. 95 000. Oui, on en est encore loin. Je crois que de toute façon, j'ai rien acheté depuis que je suis avec Chris. Donc. Ouais. Ouais, une attaque de mêlée à un ennemi. C'est un zombie, c'est quand même particulier, quoi. Les Strela sont vulnérables aux armes acio. Ah, sans déconner! Putain, si j'avais su, j'aurais pas tapé avec le couteau la dernière fois. Strela, quel nom de merde. Sablero, c'était tellement mieux. Oh! Ah, mais c'était sa tête! Je croyais que je lui avais arraché la tête, moi. C'est pour ça que j'ai pas retiré, en fait. Première fois que je meurs parce que mon partenaire est mort. C'est ça parce que franchement, ça m'a étonné parce que dans Resident Evil 5, il fallait gérer sa vie à son partenaire. Bon, après, le système de vie était plus simple à augmenter aussi. Hein. C'est quoi ces trucs? Non, ça va pas. Ça, ça a l'air trop puissant pour ce que c'est. Il me faut un snipe. J'ai pas de snipe.
Je veux dire, j'ai pas une arme à ramasser là. Mais je l'ai tué. Ah bah. Le meilleur, je ne pense pas. Autant pour moi. Comment ça marche? Ça explose, c'est ça? Pas aussi con que j'en ai l'air, moi. Hein. Par contre, je suis déçu du snipe qu'il nous donne. Moi, j'aime bien les snipers Aveiro, en fait. Et aussi, je suis déçu de se dire que j'aurais pas de magnum. Enfin, j'en déduis. J'aurais pas de magnum. Il n'est pas fait pour le snipe, hein. Pas doué, hein, ce bonhomme. Oh. Ou sinon, c'est peut-être la distance du tir qui fait que j'ai du mal. C'est bien, ça doit être sûrement ça. Alpha QG, on approche de Adamant. Ici QG, bien vu. On découvre où il se cache exactement. Heureusement que j'étais rentré dans ce bâtiment. Parce que les faire au pistolet, ça aurait été galère. Hein. C'est pas les mêmes. Ah si. Oh, bien joué, Pierce. Checkpoint. Ah, si ça avait été Ada, j'aurais dit qu'elles étaient plusieurs. Que c'était des clones. Merde. Excusez-moi, je me suis... Ouais, bien entendu, il a les deux trucs en même temps, lui. Je te vois. C'est horrible comment il tremble.
J'ai merdé. J'ai des grenades. C'est genre... Gravalanche ! Attrape. J'aime mon job. Mon dieu que j'aime ce boulot. Ah, oh, que j'aime pas ça. Oh, je peux faire pause, excusez-moi, je regarde quelque chose. C'était pas intéressant. Je sais pas du tout comment marche leur système de pause en fait. Comme j'ai esquivé les balles. Mais les mecs, je vous avais pas vu, attendez. Sacrément résistant. Plié, hein. Ok. Non, c'était pas le but. C'est un peu trop violent pour moi. Là, faut que j'économise mes munitions de fusil de lance-grenade, c'est pour ça que je m'en sers pas. C'est mon côté radin. Ah ouais, mais carrément, c'est comme t'es comme ça toi. Ok. Ah mais là je tapote comme un malade, alors s'il te plaît fais-moi plaisir. Pierce, tue ce mec. Allez putain, 5 mètres. 4. 3. 1. 2. Et j'y... C'est bon, je peux tomber là. C'est bon. Tu me cours, hein. Oh putain, ça veut dire qu'ils sont assez près. À mon tour de le couvrir. Ça, c'est une façon d'ouvrir les portes. Je devrais être dialoguiste dans les jeux vidéo. Enfin, dans les jeux vidéo qui ont plus de 70% de taux de testostérone. Quoique... Ah si, 4 mecs et 2 filles, ça fait... 80%, c'est bon, c'est accepté. Non, 4 mecs et 2 filles, ça fait que 66%. Ah, il n'y a pas assez de testostérone. D'accord, il faut que j'aille là-bas. Mais c'est fatigant de courir.
Toi, t'as pas peur, hein. Ah, il m'a chopé. Ça fait mal. Hein? Oh, comme il s'est envolé. C'était classe. Dis bonjour à mon petit bébé. Oh merde, il a survécu à ça. Ah non, j'ai tellement été radical que je l'ai tué au passage. Je sais pas ce que ça fait comme attaque, ce truc là. Moi, ça me fait penser à quelque chose de particulièrement dégueulasse. Réservé aux femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, dégueulasse. Pas vraiment, mais c'est pas très joli, quoi. Et franchement, niveau munitions, ça commence à devenir ric-rac. Oh, tu crois que ta roulade, elle va te sauver la vie? Ah, ouais, alors eux, c'est les plus simples. Attends, excuse-moi. Voilà. Bon, bah, c'est bon, c'est bien. Non. Voilà, ça va péter. Oh, je l'avais prévu, hein. Pile un chargeur, c'est parfait. Putain, maintenant c'est le sniper où j'ai le plus de munitions, je crois. Ouais, ouais, c'est le sniper. En fait, le problème du snipe, c'est qu'on est obligé de viser avec. Après, l'avantage du snipe, c'est qu'il fait des dégâts de malade. Sauf que ce truc-là, il va se transformer en une saloperie, quoi. Oh mon dieu! Oh, le point JPEG le plus moche de l'histoire du jeu vidéo. Je veux dire, même le ciel d'Half-Life 1 était plus beau, quoi. Navrant. Alors là, j'ai aucune idée de quel est où est le mal. J'ai perdu mes mots. À quel endroit c'est plus malin d'aller? Ça, par exemple, c'est pas un bon point. Ah bah c'était ici le plus malin. De toute façon avec Chris on est tout le temps sur des bateaux. J'ai pas de truc qui ressemble de près ou de loin à une plante, hein. J'ai pas de truc qui ressemble de près ou de loin à un truc vachement utile, mais j'ai oublié le nom là. Un kit de secours, un truc comme ça, un truc de premier secours, je sais plus. Je crois que je vais m'occuper des deux gars là au projecteur. Ah non, c'est moi, ils m'ont lâché. Est-ce qu'on peut. Non, c'est pas comme s'il y avait des cibles en fait. Ah, on a juste fait un petit détour. Ah, déjà 50 minutes cet épisode. Ah oui, c'est 16 heures. Oh là là, il me restera plus que 2 épisodes à tourner. Après, je devrais m'en aller pour retourner à la faculté.
Comme j'ai pas envie. Je leur dirai, oh, attention toi. Tiens, bon, c'est d'où est-ce qu'il vient le harrier quoi. Bon, et ben c'est parti pour la course. Parfait. J'en ai absolument pas besoin, mais parfait. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oui, bon là, autant dire que je vais mourir. Maintenant. Parfait, comme ça je récupère toute ma vie. Par contre, il va falloir que je retourne chercher mon emblème, là. Je sais plus si j'avais trouvé un truc ou pas là. Ça c'est chiant, ils auraient pu le mettre là le checkpoint. Bon, on va essayer d'éliminer un maximum de ces ennemis sans se faire tuer. C'est quoi ça? Ah oui, c'est celui qui explose. Pourquoi j'ai toujours envie de l'appeler Jack. Tout en un. Enfin plutôt... Ouais, deux en un, c'est ça. Ça va neutraliser. J'ai fait ça en y croyant à moitié. Par contre, c'est assez chiant l'effet de flou quand on est à couvert. Ça, si c'est un truc qui explose... Non, ça va, c'est une horreur, mais je sais pas. En quoi je devrais la craindre? Attends. Ah mais c'est un gars qui a un bouclier, excuse-moi. Ça m'a repoussé? Ou c'est parce que je me suis pris une balle? Je crois que c'est parce que je me prends des balles, hein. Putain, mais il y a un sniper, c'est obligé, je peux pas prendre autant de dégâts. Comment ça meurt ça? Mais
Putain, je me retrouve avec 6 balles de pistolet. 16 balles, autant pour moi. C'était joli ça comme esquive. Il en est mort. Le fait que je l'esquive, je pense qu'il l'a mal pris, alors il s'est suicidé, c'est ça? Ah non, mais c'est mon ami Pierce. Ça va m'aider. C'est tendu là niveau munitions. Parfait, ceux-là c'est les plus simples à avoir. Il ne reste plus qu'une balle. Après je passe aux armes un peu plus compliquées d'utilisation. Ok, je passe aux armes un peu plus. Voilà, il ne reste plus que le sniper, 13 balles, c'est bon. C'est bon temporairement. Allez, on va aller à l'objectif parce que là, ça devient trop galère. Mètres. Allez, 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 plus de 2 mètres. Y'a pas un truc de munitions quoi. Allez, 20 mètres, c'est rapide à faire. Ok. C'est bien quand c'est fini cette séquence. Ah, on en est qu'à là. Je veux savoir qui c'est cette bonne femme. Non. J'ai pas eu le temps de fouiller la pièce, il y avait des munitions, c'était plus fort que moi, j'ai eu appuyé sur rond, j'ai appuyé sur rond. C'est ça. Et ça va être con. Les enfants, faites attention. Il y a plein de gens qui sont cons. Plein, plein, plein. Trop. Trop. Dont moi. Mais bon. Moi, je le vis bien, donc ça va, c'est l'important. À fond, à partir du moment où vous assumez ce que vous faites et vos choix, ça va. Il y a certains choix qu'on ne devrait pas assumer qu'on assume quand même, ça c'est moins bien. Allez, je vous dis à la prochaine, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut !